a peur de son avenir et moi je veux la redresser. Redresser son économie, redresser son image. Et je veux surtout rassembler les Français dans la justice. Voilà, donc je veux être la meilleure composante car je pense que si les Français se sont éloignés de la politique, c'est que pendant longtemps, ils ont pensé que nous n'avions pas d'autre réponse. Et ce que je sens autour de moi depuis que j'ai posé ma candidature, c'est que les Français se rendent compte qu'il y a non seulement un chemin pour sortir de la crise, mais pour mettre en place un autre modèle demain, pour retrouver la justice partout et pour retrouver une France qui retrouve aussi sa voix dans le monde. Donc je veux être la première proposante, je pense que je le suis d'ailleurs, entourée d'hommes et de femmes formidables. Moi je suis venue ici, évidemment la date a été choisie, je serais venue cette semaine, mais la date a été choisie en fonction de la visite du président sortant pas très loin d'ici, dans une circonscription qui va d'ailleurs disparaître. Il en restera une seule Creuse et elle sera socialiste, bien évidemment, ou de gauche en tout cas, mais socialiste. Bien sûr. Je pourrais rapidement vous dire ce que va dire le président de la République, car nous connaissons tous ses promesses. Il adore la ruralité. Il adore l'espace rural. D'ailleurs, à Amélie, il a eu beaucoup de contacts avec des agriculteurs. Et ses amis sont tous des agriculteurs. Il en connaît même un qu'il connaît très très bien. Il va nous en parler très certainement. Il va faire des promesses. Mais moi, je sais, comme tous les Français, que ces promesses n'engagent que lui. Je ne reviendrai pas sur la campagne présidentielle, sur le travailler plus pour gagner plus, sur la République irréprochable, quand on voit ce qui se passe actuellement, ou sur la France des propriétaires, quand on voit comment il a servi ceux qui sont déjà propriétaires et non pas les locataires ou ceux qui voudraient devenir propriétaires, je ne reviendrai pas sur tout cela. Voilà, mes chers amis, simplement ce que je souhaitais vous dire, je souhaite être la présidente de l'égalité entre les citoyens et entre les territoires. C'est la force de la France qu'on aime. Voilà, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être aujourd'hui en Creuse avec un militant, il faut le dire, de la République. Parce que dans le fond, quand on parle de tout cela, on parle de la République. Émanciper chacun, donner à chacun la possibilité de se développer et vivre bien ensemble, c'est ça que nous voulons.